Salut, dans cette nouvelle vidéo GameKey, on se retrouve aujourd'hui, gens, pour une vidéo exceptionnelle. Puisque. Le Pokémon présent. On a vu aucune rumeur. On ne sait pas spoil du tout. Donc, on va découvrir, avec vous en direct. Minutes. Puisque là, il est 14h58. Oui, exactement. Voilà. Ça va arriver. C'est une diffusion, comme les Nintendo Direct, c'est en première. Donc, du coup, en fait. T'es sûr que les Nintendo Direct, c'est pas en direct. Et justement, les Pokémon présent, c'est toujours en. Ah, peut-être. Je crois que c'est différent un peu. Mais eux, ils font toujours ça. C'est-à-dire qu'ils mettent une vidéo en première. Voilà. Il y a forcément l'attente de la 9G. Parce que Épée Bouclier, c'était un certain temps, quand même. Bah, maintenant, Zacian et Zamazenta, on les connaît bien. Oui. On les connaît plus. D'ailleurs, parce que ça fait maintenant, il y a eu Arceus entre, peut-être à le DLC, l'annonce du DLC de Légende Arceus. DLC ou non, cool. Pas forcément déjà du contenu. Du contenu supplémentaire. Ouais, du contenu supplémentaire. Voilà, peut-être. Ça, c'est pas des rumeurs, c'est des hypothèses que nous, on aimerait bien avoir. Exactement. C'est voir les starters de la nouvelle génération et de voir... Où ça va se passer. Juste cette ça, Arceus, c'est pourquoi pas un let's cool. go à la fin de l'année. Et un let's go. Mais ouais, mais s'ils font la nouvelle gêne, ils font pas faire un let's go pour la fin de l'année. Bah, si, ils peuvent. Je sais pas comment ça se passe. Ils bazardent Pokémon, hein. C'est vrai qu'ils bazardent, ouais. En tout cas, faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, à s'abonner à la chaîne, à nous dire si ça vous plaît. J'espère qu'on va pas être déçus, quoi. Parce qu'on attend pas grand chose, mais bon, quand même. Non, mais bon, un minimum. 15 minutes, c'est quand même beaucoup, sachant que la dernière fois, ils nous avaient fait, un truc incroyable avec la découverte, enfin, Pokémon Perles Scintillantes. Ouais. Diamant Étincelant, Légende Arceus, des... Mises à jour de Pokémon Go, des mises à jour de Pokémon Café Remix auxquelles on n'a pas joué. Toujours 14h, 15h, donc là ça va commencer où ça commence pile poil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti, let's go les gens hein. Yeah. Peggy 7 provisoire, donc un nouveau jeu. Provisoire. Peggy 7 provisoire. Ah bah oui. Parce qu'ils peuvent pas mettre c'est Peggy non. 7, ils n'ont pas sorti. Non, ils mettraient Peggy 7, c'est pas provisoire, c'est marqué provisoire, donc c'est-à-dire que c'est un jeu qui est pas sorti. Ah, ça y est, on commence à avoir des trucs partout. Donc ouais, ça fait, c'était un 27 février que c'est pour ça qu'ils l'ont fait aujourd'hui, en fait. Oui. Oh, elle a trouvé un Pikachu derrière la puce. Ouais, j'avoue, il y a oh là là. 26 ans que Pokémon existe grâce au soutien des dresseurs et dresseuses du monde entier. Donc ils parlent en anglais, mais c'est juste les sous-titres qui sont rajoutés. Oui, c'est ça. Thank you. Merci à chacun d'entre vous. C'est pas en anglais, mais il y a un sous-titre français. Oui, en fait, il parle en japonais, c'est sous-titré en français. Ouais, c'est ça. Non, c'est doublé en anglais, c'est sous-titré en français. Les dernières actualités. Pourquoi ils laissent pas le doublage, du coup Attends, ils ont dû rester jusqu'à la fin pour ne louper aucun jeu. Hein. Monsieur Utsunoyama, Nomiya, c'est ça? Bonjour. Attends, regarde s'il n'y a pas des nouveaux starters derrière. Ah non, mais il y a tous les starters derrière. Ouais, il y a tous les starters. Donc il y a un truc qui... À dernière mise à jour. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout un event Pokémon Go, il y a des cartes Pokémon Go qui vont sortir au Japon. Cet été. Non, en France aussi. Et oui, mais avant au Japon. Qu'est-ce qu'ils rajoutent sur Pokémon Go? Ça s'avérerait que c'est un truc qui nous concerne moins. Parce oui, qu'on, on joue beaucoup joue moins. C'est joli ce qu'ils ont ouais, fait. Ouais, c'est joli. Ah, ils vont mettre. La dernière Bradibou, génération. Il n'y avait pas de Jamise? Alola. Ils n'avaient pas encore mis Alola? Bah, faut croire que non. Non, c'est pas du tout, hein. Si. Ah non. Ah ouais, ils mettent Alola. Bah ouais, bah je... Du 1er mars, donc mardi prochain, c'est très rapide. Ouais. Oh là 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 là. Il y avait toujours pas Alola sur... Marc, c'est bien, ça fait du contenu petit à petit, ouais, pour bah que tu continues oui. à jouer. Il y en a plein, hein. Ah oui, il y a du monde qui joue, oui, ça c'est indéniable. C'était très rapide. Ouais, Master ouais, X, mais, bah les ouais, jeux mobiles. Les quoi. Jeux mobiles. Bah du coup, ça et Pokémon Café, peut-être. Ouais. Donc ils rajoutent toujours des dresseurs. Bah toujours, ouais. Bah pour le coup, ils tiennent vraiment... Ils disent là, il y a combien? Il y en a 100. Non, il y en a 100. 142 dresseurs. Pour le coup, ils continuent vraiment à alimenter leurs jeux mobiles. Ouais, c'est propre. Du coup, il va y avoir Unite aussi, je pense. Ouais, c'est propre, bah, c'est propre, mais on n'en avait pas trop accroché non plus. Non, bah, on est quand même, même si on aime bien les jeux mobiles, on est quand même moins jeux mobiles de base. Oui. Et du coup, on préfère nous les jeux console. Ouais, voilà, oui, voilà. C'est vrai. Bah, surtout sur Pokémon. Surtout sur Pokémon. Les petits jeux, voilà, on aime bien jouer un petit peu. Bon, il y a des jeux mobiles auxquels on accroche plus, comme Brawl Stars, comme certains jeux de temps en temps, mais oui. En fait, là, c'est les jeux mobiles, il faut vraiment que ça soit vraiment bien pour qu'on accroche vraiment. Oui, longtemps. c'est ça. Carolina, du coup, avec Boreas pour l'anniversaire, ils font des skins et tout, anniversaire, quoi. C'est joli. Ouais, c'est stylé. Et Roy, du coup, de Pokémon Épée et Bouclier. Ouais, mais du coup, il était déjà, mais là, en version anniversaire. Ah oui, anniversaire 2022. Ah, oui, c'est des skins, d'accord, ok.
Et t'as une campagne. 100 duos sans frais. On va foutre jusqu'à 100 duos sans frais. Ah ouais, donc en fait, pour la campagne d'inscription. Ah, tu t'inscris, tu gagnes plein de diamants. Okay. Et puis, ouais, bah, parce qu'ils veulent pousser les joueurs à jouer, c'est normal. Hein. Attends, vous pouvez recevoir ces diamants jusqu'au dimanche 27 mars. Mais on est le dimanche 27 mars. Ah, mais c'est que aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ah bah là, il faut. C'est là, tu te connectes juste après, t'as 3000. Après, c'était peut-être depuis une semaine, tu sais pas. Ah oui, peut-être, ouais. Ah, Café Remix, du coup. Oui, c'est une journée Pokémon, mais par contre, il te l'annonce à 15h. Ouais. Ça, c'est joli aussi. Mais c'est vrai que, ouais, on a moins accroché aussi. Mais c'est propre. Ah, ouais, c'est propre, ouais. C'est giga propre. Le design est ultra bien. Ouais, ouais, ouais. Le design est incroyable. Peggy 7 provisoire, hein. Ah, il est toujours là-dessus. Je pense qu'on aura une bonne surprise quand même. Je pense. Pokémon, ils y arrivent bien. C'est le jour de la sortie des premiers Pokémon. Oui. C'est obligatoire qu'il y ait un truc. Même si c'est juste une annonce. Let's go or et argent, ce serait incroyable. Avec les musiques et tout, c'est ouais, le meilleur. Mais du coup, ils peuvent pas sortir c'est le meilleur Pokémon, sur Game Boy pour ouais, moi. Mais ils peuvent pas sortir deux jeux Pokémon. Ils peuvent pas faire l'annonce de la 9G et d'un Let's Go. Pokémon carte. T'imagines ? Ça pourrait être mort. Bah, comme Mario Kart, mais avec des Pokémon. Oh ouais, ce serait énorme. Ce serait énorme. Ce serait énorme, ouais. Tu lances des attaques. Ce serait un peu compliqué, quand même. Bah ouais, mais peut-être qu'ils ont... Donc ça, c'est à partir d'aujourd'hui. Des Pokémon dans Mario Kart 8 avec le DLC Deluxe ? Non. Non, je pense pas. Il y a jamais eu, je pense pas. Ah, Shiny, tu peux avoir des Shiny là-dedans, en plus. C'est vrai ? Ouais, Shiny Piplup. Des Donc Shiny. Là, ils te disent, voilà, joue parce que tu vas avoir des bonus. Oui, voilà, c'est ça. Bah là, ils incitent à jouer. De toute façon, ça va être une méga surprise, je pense. Ils nous ont dit, restez bien jusqu'à la fin. Hein. Ça va être la surprise, ça va être la 9G, ouais. Moi, je pense qu'ils vont montrer les starters de la 9G. Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, le design de Pokémon Café Remix, c'est trop mignon. Ouais, c'est sûrement des designs des meilleurs de Pokémon. Ouais. Pokémon Unite, ouais, normal. Bah, tous leurs jeux, au moins. Il n'y en a pas qui sont laissés ouais, de côté. Ouais, il n'y en a pas qui sont laissés de côté, pour le coup. Hein. On n'y a aussi, pas du tout rejoué. Non, c'est parce que c'est un jeu de compète, donc c'est enfin ouais, de tryhard, donc ouais. C'est pas très intéressant. Soit tu farmes le même Pokémon, bon, pour toi tu dis ouais ok je joue bien, mais il y a toujours quelqu'un qui sait pas jouer avec toi, ouais, quelqu'un qui joue toxique en face. Tu vois, c'est pas fun à 100%. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage, parce que Pokémon c'est toujours un petit peu fun quand même. Bah normalement oui c'est fun. You can try out any Pokémon in ah, c'est pas mal ça. Ah, du coup, des gens spéciaux. Ils ont rajouté depuis Arkiduc, Nymphalia, Arkiduc, Dracolos, Exagide, Rondrigo, Desselyande et. Il y en a. Un autre. D'accord. Est en cours dans Pokémon Unite. Ah, ou pas ? Oh ! Ah, c'est pas mal. Ou pas, ouais. C'est un bon Pokémon. Hein. C'est un jeu Pokémon très joli, ouais. Ouais, après, il y a du contenu sur le jeu. Ah, il se téléporte. C'est quand même un jeu gratuit. Hein. Ah, bah oui, il y a du contenu, ouais. Ah, oui. Oui, c'est un jeu gratuit, ouais. En forme déchaînée, ouais. C'est pas mal. Allez, qui parle d'Arceus déjà. Arceus plus la 9G, c'est nickel. Ouais, un DLC d'Arceus. Pourquoi pas non, dire mise à jour. Que... Mais, ou alors des cadeaux, tu vois. Ou des cadeaux, ouais. Non, je pense que ça va être un DLC. Oui, oh, mais c'est allez. Ouais, c'est mal. Ah bah, on devra peut-être se connecter pour avoir ça. Use this Pokémon Day event as a chance to experience. Mais bah attends, 15 minutes. La nouveauté. Ça fait combien de temps ? Ça fait 10 Ça fait 7 Non, 7 minutes. Pokémon Unite in the future. Please continue to look forward to more content in the future in Pokémon. Genre Lugon, donc nouveau Pokémon qui va arriver. Ouais. Next, allow me to share some. Oh non, allez, j'y vais. Est-ce qu'ils vont faire platine en DLC ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, tu penses ? Oui, ils vont faire platine. Ils font platine. Nintendo Switch. Ils vont faire arriver. Ils vont faire. Honnêtement, on n'a pas du tout continué. Platine. Ah, Shiny. Celui que t'as dans le Pokémon de Arceus. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soon, we'll send out Oak's letter. La lettre Shen ? Non, c'est ah juste oui, Shaymin okay. qui a rajouté. On l'a déjà dans ouais. Arceus. Oui, on l'a déjà dans Arceus, donc c'est notre jeu coup de cœur. Tu vois, tu l'as en cadeau mystère. En fait, ils font un peu de tout pour tous oui. les jeux. Oui. Oui, un peu de tout pour tous les jeux, ouais, c'est ça. Next up, ah ouais. Ça peut être fat, parce que ça va être...
Gouinfrex. Qui regarde Gouinfrex? Image en développement. Zoruad aussi. Ils ont pas de shiny dans leur apparition massive. Pingoléon, Arcanin, Arcana, vérifie. Gouinfrex. C'est un nouvel endroit, ça. C'est tous les persos. Ok, le dojo. Adamantin. Ouais. Des combats. Des... Que des barons? Il y a que des barons? Que des barons? Il va y avoir des événements avec des... que des barons pour avoir des shiny barons. C'est une blague? Quand? Où? Quand? Où? Comment? Aujourd'hui. Mise à jour, l'éveil de Isui, ok. Et du coup, tu auras plus de barons. Il y aura que... Dans oh, trop bien! Yeah! Et du coup, il y a quoi exactement comme je contenu? Sais pas. Il y a d'avoir quelques petits trucs, non? J'ai vu des barons. Il y a quatre barons, vraiment? Ouais. Ah, t'as une version où tu dois affronter les deux. T'as une fin, ça ouais, se trouve, tu dois affronter les deux en combat difficile, en fait. Ah oui. Il va le dire ou pas? L'éveil de Isui. L'éveil de Isui, donc gratuit. Mise à jour sans frais, donc gratuit, mise à jour gratuite. Ah non, t'enquêtes sur des phénomènes provoquant des apparitions massives de Pokémon à la région de Isui. Vous pourrez également participer à de nouveaux combats. Ouais. Avec vos partenaires Pokémon au dojo. Ok. Ah, tu pourras affronter ceux que t'as déjà affrontés. Ouais. Disponible peu après cette diffusion. Bah, trop cool. Donc, il y a des apparitions massives de barons. Oh, merci! Ah, trop bien! Des hyper 30 de chaque. Mot de passe Arceus Adventure. Ok. Faut utiliser dans la fin. Après environ 2 heures de jeu. Bah, c'est bon, on est à 80 donc. Ok, bah ouais, c'est bah mignon. C'est mignon, voilà. C'est une mignon. Petite mise à jour. Ouais. Oh, sérieux, une série animée? Ah ouais. Oh punaise, oh, ça, peut punaise être stylé, ça peut être bon, ouais. Avec un scénario original. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être donc pas ça, mal parce que le graphisme et tout est très stylé. Bah, faut voir si... Bah, pas le graphisme du jeu, la patte artistique ouais, c'est, du c'est jeu. Ouais, c'est bien, mais on veut une grosse nouveauté. Oui. Mais avant de nous quitter... Avec une peur. Dernière vidéo. J'ai peur. Thank you for tuning in. Oh punaise, j'ai peur. Donc vous aurez une petite vidéo sur la mise à jour de Isui, enfin de Arceus demain. Ah, le film. Ah, le film. Oh, la suite. Pokémon, ouais. Le film de... Ah ouais. Détective Pikachu 2. Ouais, c'est ça. Alors peut-être c'est autre chose. Non, moi je pense que c'est Détective Pikachu, non? Ah non! Ah non, 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 c'est peut-être. La nouvelle gen. La nouvelle gen. Attends. Ils sont obligés de faire une nouvelle gen. C'est la nouvelle gen, non, c'est la nouvelle gen. C'est la nouvelle gen, je pense. Il va en fait, il va dans les studios de Game Freak. Pour ce spoil. Il y a des trucs cachés là. En fait, il faudra faire des arrêts sur un match sur chaque truc. Ah, le paquet café, hein, Pikachu, hein, détective Pikachu, hein. Non? Tu penses? Un truc aussi. Non. Ou juste le nom du jeu. Non. Ah, c'est nouveau Pokémon! Non, attends, si. Si. Si, si, si. Si, 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 si. Non. Non, mais attends. Arrête. Si, il y a des sons et des oh Pokémon Center. Chlorobu, regarde tous les Pokémon, Psycho-Quack. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est énorme. Miaous. Ok. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un jeu communautaire énorme, sinon? J'ai l'impression, sinon, ouais. C'est un nouveau jeu. C'est Vipère, un nouveau jeu. Il faut encore un nouveau jeu. Magnéti. Oh, c'est stylé. C'est trop beau, ouais, c'est trop stylé, beau. ça a l'air stylé. Qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a une grande place. Ouais, c'est pas un objet, c'est autre chose. C'est pas un objet, ouais. Ou peut-être, hein. Peut-être, ouais, je sais pas. Une Nintendo Switch. Ah, la OLED. Ah, bah si, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. Attends, regarde bien.
Ils vont pas montrer les starters, si? Si, il faut qu'ils montrent. Punaise, je sais pas ce que c'est. Ils vont montrer les trois Pokémon à côté. Oh punaise, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Énorme! Oh, ils sont trop bien! Ils sont trop bien! Pokémon Écarlate! Let's go! Oh là 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 là! Ah, trop bien! Ah, trop bien! Eh, ça a l'air trop bien! Troisième vendredi de novembre! Fin 2022. Ah, punaise! Oh, un nouvel opus. C'était sûr! Yeah. Eh! Je l'ai invoqué, violet! Énorme! Punaise! Écarlate et violet! Alors, juste un truc! Ouais, les noms, c'est bizarre! Non, non, pas les noms! Les Pokémon, il y en a un qui a l'air ouf! Si, moi je trouve mignon! L'oiseau haut! Oh non, mais c'est ça. Ça a l'air propre. Est-ce que ça serait pas un mix entre Pokémon Bouclier? Oui, et Arceus. Arceus, ouais. J'ai l'impression. Plus de terre ouverte. J'ai l'impression. Vois. Parce que là, tu vois beaucoup. Du coup, alors, en fait, Pokémon. Ils ont fait exprès de mettre des vieux Pokémon pour pas oui, spoil pour pas parce spoil, que Vanner pour pas spoil. Plein. Nouvelle gêne. Nouvelle gêne. Enfin. Nouvelle gêne, c'est enfin, sûr. Enfin, non, mais c'est énorme, c'est nouveau quoi. C'est énorme. Ouais, c'est bien ouais, fait, t'as la hype, ouais, tu vois, tu ouf, dis qu'est-ce que c'est, ouf, mais qu'est-ce qui se passe ouf. Et puis là, la place, elle a ouais, l'air incroyable. Ça a l'air pas trop mal, ouais. Elle a l'air incroyable. Ça a l'air pas trop mal. Donc, on a à fond Pokémon en ce moment, donc en fait... Et puis ça sort au bon moment, quoi. Ouais, ça sort au bon... Bah, fin novembre, du coup, ça va être... Je vais vous dire le jour. Parce que ça sort toujours à peu près pareil. On se retrouve en novembre... Bon, t'as l'air d'avoir des... Ouais, c'est... Niveau graphisme, faudra voir, 18 mais... 18 novembre. Vas-y, tu mises sur le 18 novembre. Je mise sur le 18 novembre. Ils ont montré que t'as vu, il y avait du vent et tout. Et t'as vu, ça oui. se passe un peu... Un bah, peu... au bord de la mer. Ouais, mais, pas mais trop petit européen un européen, peu. Européen, bord de la mer, style... Pays-Bas. Ah ouais. Ou Danemark, tu vois. Moi, j'aurais tu dit ça. Tu penses ça? Moi, j'aurais peut-être dit plus Espagne ou un truc comme ça. Ou Espagne, alors. Ah, peut-être... Ah oui, Sagrada Familia. Oui, c'est peut-être plus Espagne. Ouais, je sais pas. Avec la cathédrale, comme ça. Ah oui, ouais. Ouais, ouais, plus Espagne, t'as raison. Bah, je sais pas. Vas-y, mais surprise. Oh, mais si, il est trop mignon! Mais ils sont tous! Il est trop! Mais si, il est trop mignon! Le dinosaure est trop mignon! Oh, le chat vert, vert, il est trop il est bien. Beau, ouais. Ouais. Il est beau. Ça a toujours, le félin, ça a toujours été un feu quasiment. Oui, 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 c'est pour ça, en vert, ça fait t'as bizarre. La Flamiaou? Non, mais arrête, tu vas pas me dire que celui t'as de droite, fait... il est beau! Avec ça! Bah, si! Arrête, hein. Il est trop mignon! Il est trop mignon! Ah, j'adore celui du milieu, moi. Ouais, la petite pomme, on dirait un dinosaure pomme. Ouais, un dinosaure pomme, ouais, c'est ça. Ah, c'est stylé. Non, c'est bien. C'est bien en ouais. plus, c'est bien annoncé. C'est tout. Bien annoncé. Parce que tu hésites tout le long. Ouais, quand même, hein. T'hésites. Tu hésites tout le long. Hein. Mais si, en fait, on a hésité pas sur un vieux jeu, mais plus sur un côté Pokémon communautaire. Oui, oui. Comme oui, la légende Arceus, oui. mais nouveau encore oui, plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Il est marrant que sa petite mèche. Et je pense que s'il y a un Let's Go, ce sera l'année prochaine, du coup. Moi, je pense qu'on prendra. 2023. Bah, celui du milieu. Le dinosaure. Ouais. Bah oui. Ouais. Pas du trop coup, mal violet. Un dinosaure en starter, c'est pas trop mal, hein. Ça n'a jamais été le cas. Non, je crois pas. Le canard non plus, après le ouais, Flamiaou en vert, quoi. Ouais. Après, faut voir les surévolutions. Du coup, ouais, parce que ça se trouve, le canard, là, il est moche, mais ça se trouve, sa surévolution est très belle. Je dirais, le moins original, c'est le vert. Quoi. C'est le vert. Ouais, c'est vrai que c'est le Flamiaou en vert, quoi. Mais par contre, le petit dinosaure, il est marrant. Ouais, le dinosaure est marrant. Bon, non, on vote Team Dinosaure, on sait pas comment il s'appelle encore. Ouais. Violet et Écarlate. Violet et Écarlate. C'est bizarre, les noms, ça fait un peu bizarre. Écarlate, ouais, Violet. Violet, ça fait trop, Ah, il est trop mignon. Ah, il est trop mignon, ça. Ah, il est trop cool. Non, mais il est bien. Le design est marrant. Écarlate. La police est bizarre aussi, la police ouais, de Violet, ouais. On dirait un vieux montage Photoshop oui, on dirait un dégueulasse. Truc. Franchement, tu m'aurais mis ça en leak, tu aurais dit mais arrête avec ton montage Word 3D là, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est moche. Franchement, ouais. Après, écarlate, c'est joli. Ouais. Du coup, on prend Violet ou Écarlate? Bah, faut avoir Violet. Le légendaire. Ah oui, faut voir le légendaire. Oh là là, ils vont annoncer les légendaires. Donc, c'est-à-dire que là, jusqu'à fin d'année, on va avoir des nouveaux Pokémon qui vont pop, oui, nouveaux Pokémon, ouais, nouveaux Pokémon. Ah, super cool. Ouais, giga cool, c'est ce qu'on attendait au moins. Ah bah ouais, et au moins. Petite mise à jour gratuite sur Arceus ouais, avec bah, du coup, contenu. Vous l'aurez hein. Dans la journée. Donc, voilà, enfin, du coup, vous l'aurez demain. On essaiera de voir, on essaiera de voir comment on va chercher les. Bah, du les coup, ils vont relancer une histoire. Il va relancer ouais, une histoire. Pas, il va nous reparler. On n'a pas Charmcroma, on n'a pas fini. Ouais. On a tous les Arvis par contre. Et du coup, on va pouvoir affronter les Dialga et Palkia en même temps. C'est ça. Dans un dernier duel, tu vois. Oui, en ouais. mode encore plus dur que Arceus, tu vois. Ouais, donc en fait, c'est une histoire bonus en plus qui dure. Ouais, bah, on et puis sait ça pas, reste une version 1.1.1, donc c'est ça veut dire qu'il y aura des 1.1.2, 1.4 et tout. Ouais. On espère que ça vous a plu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, s'abonner à la chaîne. Bah, on se retrouve pour du Pokémon encore, hein. Ouais. Bien sûr, parce moi, que c'est bien, nous, c'est-à-dire en ce moment, que c'est une bonne lancée. On adore ça. On est à fond en plus.
Il y a des shiny qui arrivent. Non, mais il y a plein de shiny qui arrivent. On vous racontera tout ça demain. En plus, avec la mise à jour de Isui. Vous verrez tout ça. On vous laisse là-dessus. Et vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. De toute façon, on en reparlera sur le 5 mars pour les 5 ans de la Switch. Oui, 3. 3 ans de la Switch. 3 mars. Non, 3 mars pour les 5 ans de la Switch. On se retrouve pour le 6 mars pour les 2 ans de la Switch. Exactement. Pour les 6 mois de la Switch. Et on vous dit à bientôt dans mon prochain vidéo Tiki Miki. Allez, salut!